Alors comment faire pour rattraper son retard pendant ses révisions? Justement, à travers cette vidéo, je vais te présenter 5 conseils qui te permettront de rattraper ton retard et surtout d'éviter d'accumuler davantage, parce que c'est surtout ça le problème. Alors, premier conseil, focalisez-vous sur les matières où vous avez de grandes difficultés. Alors, je sais, hein, il est très simple de vouloir apprendre les cours que vous appréciez. Et je le sais, c'est la nature humaine. On adore faire ce qu'on aime, on n'aime pas faire ce qu'on déteste, c'est logique. Donc en général, ce que vous allez faire, vous allez prendre des chapitres que vous adorez apprendre et vous allez les répéter, répéter. Ok ? Donc vous deviendrez un expert dans ce chapitre, dans ce domaine, mais finalement vous aurez délaissé les autres matières. Or, le problème, c'est que si vous délaissez une matière, c'est fatal pour votre examen. Je le rappelle, vous devez tout connaître, d'accord? Par cœur, tous les éléments. Donc, faut pas délaisser un chapitre, faut pas délaisser une matière, ça c'est clair, d'accord? Sinon, c'est fatal. Alors, le conseil, il est très simple. Ce que vous allez faire à partir de demain, vous allez prendre sur votre plage horaire, d'accord? Vous allez mettre un horaire particulier pour la matière que vous détestez, que vous avez des difficultés. Et vous allez tout simplement la travailler en premier. Vous faites d'abord la tâche difficile et ensuite vous allez faire la tâche la plus agréable possible au cours de la journée. C'est toujours comme ça que je fais moi. Je commence d'abord par la tâche compliquée, la tâche pénible et ensuite je fais quelque chose de beaucoup plus agréable. C'est comme ça que je fais pour être plus productif. Alors ça c'est mon conseil. Deuxième conseil, focalisez-vous sur l'essentiel. Ça sert à rien d'apprendre les 15 pages de cours juste après un cours, justement. En général, qu'est-ce que vous faites? Le matin, vous avez cours, et l'après-midi, vous allez apprendre les 15 pages de cours direct du prof. Ça vous mettra forcément en retard, ça c'est clair. Il vaut mieux que vous l'étaliez, en fait, finalement, ce cours, vous l'étalez sur 4 semaines, 4 à 5 semaines de révision, tranquillement, d'accord? Et vous verrez, ça marche du tonnerre. Donc, on n'aura pas de retard, et puis en plus, on va avancer beaucoup plus vite. Troisième conseil, tout simplement, ça va être de résoudre vos problèmes tout de suite, d'accord, et de ne pas attendre. Ne restez pas bloqué sur un souci. Si vous avez une formule qui semble compliquée, que vous ne savez pas appliquer, faites-vous aider. Faites en sorte de trouver la solution à votre problème maintenant. N'attendez pas 2 mois d'essayer de résoudre votre problème, ce sera déjà trop tard, ok? Quatrième conseil, optimisez votre agenda de telle manière à ce que vous puissiez rajouter des plages horaires. Alors pour ma part, ce que j'avais fait, j'avais créé un leurre dans mon agenda, c'est-à-dire que globalement, j'avais entre 1 à 2 demi-journées de vide hein, dans mon agenda. Pourquoi? Ça me permettait de rajouter des retards, ça me permettait de prendre du temps libre et où je pouvais faire autre chose, voilà, c'était le côté pratique. Et quand j'étais chaud, quand j'avais la patate et que j'étais prêt en fait à réviser, ces plages horaires servaient à ça. Donc vous devez optimiser votre agenda pour créer des leurres et faire en sorte que vous puissiez avoir du temps libre supplémentaire pour réviser. Ça c'est plutôt malin. Et puis cinquième conseil, c'est un conseil qu'il va falloir prendre avec une petite pincette parce que c'est pas si simple que cela. En gros c'est autorisez-vous à faire un excès dans vos révisions de manière ponctuelle, d'accord? Alors ça veut dire quoi? Globalement, si vous avez l'habitude avec votre planning, de ne pas réviser le samedi soir ou de ne pas réviser le dimanche soir, vous allez faire un petit excès et globalement, vous allez réviser à ces moments-là, d'accord? Ou alors, au lieu de dormir à 22h, vous dormez à 23h, voilà, sur quelques jours. Mais ne faites pas ça tout le temps, c'est uniquement ponctuel, c'est à un instant T, d'accord? Le retard, c'est fatal, mais tout le monde aura forcément à un moment donné du retard. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, tout le monde n'est pas une machine, on est des êtres humains et donc avoir du retard c'est tout à fait normal, d'accord? Donc j'espère qu'à travers cette vidéo j'ai pu te réconforter, te donner quelques conseils et faire en sorte justement que tu as la niaque pour aller loin cette année, c'est le but, ok? Et je serai toujours là avec vous. Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi un pouce bleu justement si ça t'a plu, ça t'a permis de t'aider. Et n'hésite surtout pas à me mettre un max de commentaires si tu as la moindre question méthodo justement sur cette histoire de retard. Et je sais que je vais en avoir parce que en général, le retard, c'est fatal. Il faut faire en sorte d'éviter ça. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao.